Le cercle, comme cela vous a été dit, l'idée de base, au départ, c'était de créer une association au niveau francophone pour sortir des frontières du périphérique qui paraissent l'horizon indépassable à certains, même des frontières de l'Hexagone. Et donc, dès le départ, parmi les membres fondateurs, il y avait des représentants de l'association Bitcoin Belgique et de l'association Bitcoin Suisse Romande. Aujourd'hui, on ne sait pas en combien de pays on est, 6 ou 7. En tout cas, on a même eu l'adhésion de Blockchain Tahiti, ce qui nous permet d'être sur un nombre de créneaux horaires intéressants. Et vraiment, nos convictions pour nous présenter, c'est un, d'organiser une production, un échange d'idées en langue française, d'encourager des initiatives assez différentes. On a aidé un youtubeur autodisciple à vivre 30 jours en bitcoin, on a créé un événement à l'école normale supérieure d'un assez haut niveau académique. Là actuellement on va encourager deux jeunes qui vont faire le rallye 4L au Maroc avec l'aide du cercle du coin et avec une dimension quand même crypto dans leur démarche. On organise des meet-up en propre. On a converti le passage du Grand Cerf à Paris, qui est un ensemble architecturalement cohérent et avec 25 commerçants qui à peu près tous acceptent Bitcoin, ce qui n'a pas forcément un grand intérêt en termes de transactions, mais qui a provoqué un buzz assez important et assez positif. On organise nos propres meet-up. Celui du mois dernier était à Bruxelles. Il y en a eu un auparavant à Neuilly. Donc l'idée de base, c'est de se rencontrer, d'échanger, de produire ensemble des idées. Parmi les choses auxquelles on croit, il y a d'abord le fait que la monnaie, donc la crypto-monnaie, étant un sujet transversal, il y a besoin de l'apport d'énormément de gens différents. Plutôt que d'avoir dans un coin des codeurs, des informaticiens, dans un autre des économistes, des historiens, des sociologues, des matheux, on essaye d'organiser des événements le plus ouverts à des gens dont les questionnements vont se croiser, dont les regards vont se compléter. On pense que c'est vraiment Bitcoin, techno et communauté, et que ne s'intéresser qu'à un seul de ces deux aspects, soit la technique, soit la communauté, c'est rater quelque chose. Enfin, on a publié un ou deux communiqués, entre guillemets, officiels. L'un des derniers tenait en un slogan qui était « Pas de révolution blockchain sans Bitcoin ». C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu un grand buzz pour dire « Forget Bitcoin, embrace the blockchain ». On disait déjà « Non, toute forme d'échange décentralisé sur des blockchains un peu cohérentes, ça se fera, ça s'accompagnera d'un intérêt pour le Bitcoin ». À cet égard, on a été plutôt clairvoyant. Voilà, un certain nombre d'orateurs de ce soir sont membres du cercle, dont Adli, qui est notre président, et Michel. Un dernier mot, l'adhésion se fait en bitcoin et elle est excessivement onéreuse. Donc, ils font tout pour ne pas être très nombreux. Enfin, il y a des associations dont l'adhésion se fait à 10 euros et qui ont moins de membres que nous, donc tout va bien. Merci. Ouais, bravo. Alors bonjour à tous, merci à notre hôte Romain de nous accueillir. Effectivement, on n'était pas beaucoup, j'ai fait un des premiers meet-up sur Lyon, j'ai repris un meet-up qui avait 6 membres, et aujourd'hui on a 250, mais j'avoue que j'ai plus beaucoup eu de temps pour faire des réunions, donc je remercie tous les autres qui font des... Il y a plein, c'est en train de fleurir de partout, il y a beaucoup de nouveaux meet-up qui sur des sujets un petit peu différents, avec des publics un peu différents, etc. Bon. Voilà. Moi, mon prochain meet-up va, je dis au passage, va sûrement parler de toutes les façons possibles de perdre ses Ethers, de perdre ses Bitcoins, parce qu'il y en a de nombreuses, et c'est des fois intéressant. Voilà, et donc de les perdre, et comment évidemment ne pas les perdre. Voilà, donc là, je veux parler du projet Beyond the Void. C'est un projet, c'est un jeu en fait, c'est la rencontre de moi, mon petit frère au départ, qui voulait faire des jeux, et qu'à un moment j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose avec son jeu. J'avais déjà vu l'exemple à Genève où je travaille d'un autre jeu qui s'appelle Spell of Genesis, qui était déjà sur la blockchain Bitcoin, qui était sur la blockchain Counterparty, qui est une surcouche du Bitcoin. Voilà, et je me suis dit, on peut faire un ICO, c'est-à-dire une levée de fonds sur la blockchain, ce qu'on a fait. On a levé donc l'année dernière 350 000 euros en Ether à l'époque,
qui sont depuis. Alors on a dépensé une partie depuis, heureusement pour nous, l'Ether a fait fois 40 environ, je crois, un truc comme ça. Donc on est très content. Et on va pouvoir faire beaucoup de projets. Donc maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai quelques minutes, hein, je ne raconte pas toute ma vie. Je vais juste vous dire en quoi ça peut être intéressant pour un jeu et les autres utilisations de la blockchain. C'est pas que pour échanger de la valeur. On peut échanger de la valeur, évidemment. C'est ce qu'on a vu avec, c'est ce qu'on voit avec le Bitcoin principalement, et puis avec toutes les autres monnaies. Mais on peut aussi mettre sur la blockchain d'autres choses. Et nous, on a choisi pour notre jeu. Donc, alors, ça nous a servi effectivement de faire de lever de l'argent, de passer par cette blockchain. On a créé notre propre monnaie qui s'appelle le Nexium, qui est tradé aujourd'hui sur Poloniex, sur Bitrex et puis sur Ether Delta, bien sûr. Alors, à quoi ça sert? Ça nous a servi à lever de l'argent, mais ça nous sert aussi pour nos joueurs à acheter tout ce qu'on aura besoin d'acheter dans notre jeu sera acheté avec notre propre monnaie, mais sert aussi, et tout ce qu'ils auront sera aussi stocké sur la blockchain. C'est-à-dire que s'ils ont acheté un skin de vaisseau spatial, ce skin, il sera sur leur adresse Ethereum, sur leur propre adresse, ils en sont vraiment propriétaires. Contrairement aux autres jeux, si vous connaissez les StarCraft, les LOL et tout ça, où finalement c'est l'éditeur qui reste propriétaire de ce que vous avez acheté, s'il décide de fermer votre compte, vous n'avez plus rien. Là, et vous êtes, c'est la notion de true ownership, c'est-à-dire que vous êtes vraiment propriétaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce skin que vous avez acheté. Vous pourrez notamment le revendre, évidemment. Donc il y a un certain nombre de skins qui sont, comment dirais-je, qui vont être un peu collector, parce que c'est les premiers qui ont été faits, ou ils ont été émis à un certain moment dans l'histoire du jeu, et dont on espère qu'ils auront une certaine valeur auprès des joueurs. Voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, il y a beaucoup de gens qui doivent parler aujourd'hui, donc je vais laisser la parole. Et s'il y a des questions par rapport soit au jeu, soit la blockchain en général, vous pourrez venir me parler à la fin de la réunion. Voilà, merci. Bonne soirée. Donc voilà, c'était important qu'Eric puisse présenter son projet parce que d'une part il est de Lyon et que là on fait un Bitcoin en partenariat donc avec le Certitude Bitcoin, mais donc on est à Lyon, donc c'était important qu'il présente. Temporellement, c'est une des premières ICO françaises, nous pensons, et aussi voilà, comme il a dit, son coin est coté sur Bitrex Poloniex. C'est pas le cas de tous les coins d'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il l'avait fait tôt, mais voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Michel, qui va nous faire un exposé sur toutes les problématiques de fork. Je ne sais pas si tout le monde doit être au courant, puisque tout le monde est initié. Donc le Bitcoin, vous savez qu'il a été forké le 1er août. Il y a eu des forks précédents, mais qui ont été plus ou moins des flops. Il y a un fork qui s'est fait annuler au dernier moment en novembre, le CV2X, etc. Donc il veut nous parler de tout ça. Voilà, donc je te laisse la parole. Bonsoir à tous, je m'appelle Michel Foucault, c'est ma première intervention publique, donc je suis assez content d'être ici. Donc je suis membre du Cercle du Coin depuis quelques années, je ne sais plus quand, c'était au début, je pense, deux ans, voilà. Donc moi je fais du Bitcoin depuis à peu près 4 ans maintenant, 2013. J'ai participé à des hackathons, je suis développeur. Donc on m'a demandé si je pouvais donc donner mon opinion sur les forks. Donc voilà, j'ai appris que le fork c'était non seulement une fourchette mais aussi une fourche. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette petite image. Donc tout le monde est au courant de ce que c'est qu'un bitcoin aujourd'hui, là, pendant tout le monde est initié. J'en reviens un peu sur l'histoire du bitcoin parce que ça fait pas de mal. Donc bitcoin, c'est le genesis, c'est le 3 janvier 2009. Donc il y a des paramètres sur chacune des blockchains qu'on a aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc ça va être un résumé rapide, c'est pas exhaustif, il y en a tellement que c'est pas non plus le but d'essayer de vous expliquer tout ce que sont les forks de Bitcoin qu'il y a eu aujourd'hui. Donc là, je parle surtout, dans le premier temps, des forks qu'on appelle aujourd'hui les altcoins, qui sont partis vraiment de la technologie blockchain. Donc le Bitcoin, il est basé sur un proof of work, donc ça c'est un sujet il y a un gros débat aujourd'hui sur la puissance de calcul nécessaire à sécuriser la blockchain, donc on pense que ça consomme trop d'énergie, plus que les petits chats. Donc c'est basé sur un algorithme qu'on appelle SHA-256, qui est un algorithme aujourd'hui qui n'est pas craqué, qui est utilisé quasiment au niveau mondial pour d'autres choses que le Bitcoin.
Donc c'est un algorithme qui n'est pas craqué aujourd'hui et qui est considéré comme safe. Donc le premier coin forqué, c'est Namecoin, celui que j'ai trouvé, je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est la première altcoin. Voilà, première altcoin forquée à partir du code source de Bitcoin sur la même technologie, qui a utilisé les mêmes paramètres de consensus et de preuve de travail et d'algorithme de hachage. Donc en 2011, donc c'est quand même quasiment plus de 3 ans, hein, de 2 ans après, Namecoin c'était surtout pour faire du gestion de nom de domaine décentralisé. Donc ça marche pas terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à squatter les noms de domaine, donc c'est pas aussi performant on va dire qu'un gestion de domaine décentralisé comme on a aujourd'hui. Peu de temps après, on a eu Litecoin, qui a eu la bonne idée de forquer le code de Bitcoin. Donc c'est exactement le même code de base, sauf qu'on a changé l'algorithme de hachage. Alors la raison principale, c'était de changer l'algorithme de hachage pour éviter que les gens qui avaient des cartes graphiques puissent commencer à miner plus fort que les autres et gagner plus d'argent que les autres. Et ça utilisait l'algorithme script qui est censé être résistant à la parallélisation et aux cartes graphiques et aux ASICs aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui on a déjà des cartes graphiques qui font tourner cet algorithme-là sans problème. C'est les ASICs. C'est les ASICs contre les ASICs. Ouais, les ASICs aujourd'hui arrivent à faire quand même tourner l'Icon alors que c'était prévu à la base de ne pas pouvoir le faire. Donc du coup, d'autres, on a eu Dogecoin qui était une expérience assez rigolote, dont je l'ai mise juste pour le fun. C'est un fork issu de Litecoin qui était en 2013. Donc là, ce truc-là n'a aucune valeur, mais il vit toujours aujourd'hui. Donc c'est assez marrant, c'était un jeu. Oui, il a une valeur parce qu'il existe. Et donc, mais aujourd'hui, c'est vraiment le plancher. Il est au plus bas de ce qui est possible quasiment en Satoshi. Il a 25 Satoshi, non, il y a combien ? 16 Satoshi, ce qui fait que s'il gagne 1 Satoshi, il gagne 16% de sa valeur. Donc c'est quand même la fluctuation et devient. Donc il y a des gens qui spéculent encore aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas la valeur qui fait la spéculation, c'est le delta des prix. Donc pareil, c'est un fork de Bitcoin. Après, il y a eu, en 2015, il y a eu Ethereum qui est arrivé. Ethereum, ça change complètement un peu le principe de Bitcoin. Je crois que c'est même pas le même code de base, où il y a une grosse partie du code de base qui a été pris, mais Vitalik, qui est un ancien développeur de Bitcoin, a décidé de refaire une implémentation pour pouvoir faire des contrats avec un langage de programmation plus évolué que celui du Bitcoin, puis qui est considéré comme le langage de Bitcoin pas assez évolué. Donc il a fait un langage Turing complet qui permet de faire des programmes et des contrats beaucoup plus évolués que ceux permis par Bitcoin initialement. Donc ils ont changé aussi l'algorithme de hachage qui est EtherHash, issu d'un travail de Dagger Hashimoto, et il y a eu aussi une participation de Vitalik sur l'algorithme de hachage d'Ethereum. Bon, celui-là c'est juste pour les développeurs, donc je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle. Le 42 coin était assez intéressant puisqu'il était prévu pour ne démettre que 42 pièces de monnaie, qui a un nombre magique pour les développeurs, donc les développeurs comprendront, sinon les autres ils iront essayer de voir part. Mais en gros, c'est exactement comme Litecoin, mais on a décidé d'en faire que 42. Donc l'idée c'était que normalement une valeur de cette monnaie devait atteindre des sommets. Je n'ai pas regardé le cours aujourd'hui, je ne sais pas combien il vaut, je ne sais même pas s'il est encore vivant, c'est certainement enterré depuis très longtemps. Donc en fait, jusqu'en 2015, on a assisté quand même à une multiplication des altcoins qui sont tous issus de la technologie blockchain de Bitcoin. Donc c'est un petit peu une époque précambrienne, vraiment une explosion, comme on a vécu il y a 500 millions d'années. Il y a eu énormément d'alternatives au Bitcoin. Donc chacun a voulu apporter sa pierre à l'édifice. Et donc j'en ai compté 1325 sur CoinMarketCap. Donc je pense que ça, c'est une référence que les coins qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc je ne sais pas combien il y a eu de altcoins produits toujours. Mais apparemment, au moins deux fois plus. Quoi. Donc voilà, donc tout le monde a trouvé sa petite icône. Bon, il y en a qui... Moi, je suis le Ruby, là, je ne connais pas. J'en connais quelques-uns, mais voilà. Donc voilà, alors pourquoi forquer un truc qui marche ? C'est déjà une question qu'il faut se poser. Parce que bon, Bitcoin marche, mais voilà. Donc, en gros, généralement, c'est très bien que les gens forquent, parce qu'il faut faire mieux. Il y a un gars qui a une idée, et comme c'est open source, il faut améliorer le code source. Et donc, contribuer à l'évolution d'un protocole, c'est quand même toujours bien.
Donc c'est très bien que des gens puissent avoir la liberté de le faire. Donc comme c'est permissionless, on n'a pas besoin de demander la permission pour faire un nouveau protocole et faire mieux. Donc ce qu'a voulu faire Ethereum, clairement en améliorant le script de Bitcoin. Après, on peut forquer pour réparer, parce qu'il y a eu un bug, parce que c'est du software, et en tant que développeur, on sait très bien qu'il y a des bugs. Donc on veut réparer un truc qui a été mal programmé. Donc c'est ce qui s'est passé en 2012 sur Bitcoin, c'est le premier fork, j'en parle un peu plus tard. C'est on a voulu réparer un bug sur le multisig qui a été mal fait. Après, il y a des gens qui veulent forquer juste qui ne sont pas d'accord. Ils disent, ça ne nous plaît pas ce que vous avez fait, 10 minutes par bloc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut 1 minute par bloc ou 2 minutes 50 pour Litecoin. Donc, on va essayer de... On n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait. Donc là, on parle de consensus. On n'est vraiment pas d'accord sur ce qui a été fait. Donc, on fork. Après, il y en a qui font tout simplement pour gagner de l'argent. Donc, on va parler des SEO tout à l'heure. Mais avant les SEO, il y avait moyen de gagner de l'argent qui était faire des forks. Donc, les gens faisaient des préminages, faisaient un fork de Bitcoin, minaient des coins avant de sortir leur fork. Et puis, ils pouvaient gagner de l'argent comme ça grâce au premier pump. Donc, c'était une façon un petit peu détournée de gagner de l'argent. Et puis après, il y en a qui ont voulu faire avoir aussi un peu de vanité, d'avoir son propre altcoin à son nom. Donc, il y a le Maxcoin, par exemple, qui est le premier qui vient à l'idée. Il y a des gens qui se disent, pourquoi pas avoir mon nom sur ma blockchain. Donc ça, c'est, je crois qu'il y a un rappeur aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Kanye. Il y a eu un procès avec ça. Ah ouais. En fait, c'était pas le rappeur qui l'avait fait, c'était pour. Pour se foutre de sa gueule. Pour la culture, il y a aussi le Trump coin, il y a le Macron coin, le Le Pen coin et les compagnies. Donc, effectivement, c'est tellement facile de prendre le code source et de le forquer et de le répliquer que là, c'est open bar. Après, est-ce que ça marche, ça marche pas? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça, c'est toute une histoire. Donc, comment on fait pour forker? Justement, c'est très simple, c'est du code source open source, on va sur GitHub, on clone le code source, on le modifie, on fait un CTRL-C, CTRL-V, on modifie le nom du coin, on change l'icône, et puis on a son propre coin. Donc, c'est rigolo à faire, mais bon, c'est pas non plus très productif, on n'apporte pas d'amélioration dans le protocole. Il y a même des gars qui ont s'amusé à faire du Vanity Coin, donc Vinecoin, je crois, qui permet, à partir du code source de base de Litecoin, de faire son propre coin à son nom. Il suffit de mettre son icône et on a exactement un réplica avec son nouveau Genesis block from scratch et on a son coin en à peu près 5 minutes. Donc c'est ce qui a provoqué l'explosion vraiment des coins aujourd'hui. Mais par contre, chaque coin n'avait vraiment pas vraiment d'intérêt intrinsèque. Donc comment faire pour réussir son fork? Donc apparemment j'ai eu une petite remarque sur mon joli nœud de Jacques. Donc voilà, il faut déjà avoir des nœuds qui marchent. Donc c'est pas évident, tout le monde n'arrive pas à avoir un nœud qui marche du premier coup parce que c'est un algorithme distribué et c'est pas non plus évident d'avoir un ensemble de nœuds qui est fonctionnel. Il faut un wallet, donc un moyen de gérer sa monnaie, faire des transferts et gérer ses clés privées. Il faut aussi des exchanges parce que si les gens n'arrivent pas à échanger sur une bourse, sur une place d'échange, votre monnaie n'a pas de valeur. Et il faut une bourse qui est capable de l'échanger contre quelque chose d'autre. Donc là, j'ai pris des icônes avec des dollars et des fiat, mais effectivement, Poloniex, lui, il va indexer n'importe quel altcoin sur une valeur du bitcoin. Donc du coup, il y a un cours qui s'opère et donc les gens peuvent commencer à échanger et ça donne la valeur à votre coin. Après, il faut aussi une communauté, parce que si personne n'en parle et personne n'utilise, votre coin ne servira strictement à rien et personne n'utilisera. Donc la communauté, c'est quand même une propriété assez forte qu'on oublie souvent dans les blockchains, c'est de savoir qui sont intéressés à l'utiliser, pourquoi ils veulent l'utiliser, et c'est vraiment un composant essentiel d'une blockchain, d'une icône. On peut trouver plusieurs types de forks. Donc là, j'évoquais vraiment les forks de type on réplique le code source et on change certains petits paramètres qui sont vraiment triviaux à changer. On change les paramètres de consensus, le temps de propagation des blocs, l'algorithme de hachage, mais on se base vraiment sur le code de base de Bitcoin qui a été vraiment le premier programme qui a permis de l'émergence de cette technologie. Et donc du coup, ils sont complètement indépendants
de la blockchain de base, et ils vivent leur vie de manière complètement séparée. Donc on commence from scratch à partir d'un Genesis block, qui est le premier bloc qui est miné sur cette blockchain. Et après, il y a d'autres types de forks qui consistent à forker une blockchain existante. Donc là, on va venir bientôt à la blockchain Bitcoin et aux autres. Mais du coup, il y a plusieurs façons de forker une blockchain. Donc il y a le hard fork et le soft fork. Et il faut qu'un fork, pour qu'il soit viable ou plus facilement acceptable, il faut qu'il y ait des replay protection. On y reviendra pour les derniers forks actuels. Donc, un soft fork, c'est dans le logiciel, généralement, on aime bien qu'un logiciel à version supérieure soit compatible avec la version précédente. Donc, on parle de compatibilité ascendante. En gros, ça permet une transition complètement. Les gens se mettent à jour quand ils le veulent. Il faut savoir que les nœuds Bitcoin sont distribués. Il n'y a pas de. Chacun met à jour son soft quand il veut. Il n'y a aucune obligation pour un soft fork que tout le monde change en même temps leur version de nœud. Et donc ça, c'est généralement ce qui est préféré quand on fait un fork. Ça évite de faire une rupture de service et de garder des gens qui ne veulent pas migrer parce qu'ils ont des problématiques. Le soft fork est vraiment recommandé. Après, il y a le hard fork qui est un peu plus complexe à mettre en place. Il faut que tout le monde soit d'accord en même moment pour changer la version de leur software pour que ça fonctionne. Et à partir du moment où on fork, toutes les versions d'avant sont incompatibles. C'est un peu comme si vous avez votre Word ou votre Office qui n'est plus capable d'ouvrir un document. Votre version N-1 n'est plus capable d'ouvrir les documents de la version N+1. Donc ça, c'est vraiment très contraignant à la fois pour les mineurs et pour les utilisateurs. Et donc tout doit être synchronisé. Donc moi, je ne vais pas détailler cette partie-là parce que Nicolas Baca a fait un super exposé que j'ai écouté avant de préparer cet exposé. Allez voir ça, il explique vraiment très très bien ce que c'est qu'un soft fork et un hard fork. Donc maintenant, on vient au sujet qui nous intéresse tous ici, parce que vous avez tous entendu parler du Bitcoin, de sa montée en valeur, et puis de ces différents forks qu'il y a eu au mois d'août, au mois de novembre, des forks annulés qu'on évoquait tout à l'heure. Donc du coup, il y a eu déjà des forks sur Bitcoin, il y en a eu un en 2012, qui était vraiment un correction de bug. Donc ça, je crois que c'est le premier fork qu'il y a eu Bitcoin, il y en a peut-être eu un avant, je sais, mais j'ai trouvé celui-ci. Et en gros, là, vraiment, on est dans un cas où les gens ne sont pas d'accord sur ce qui est aujourd'hui Bitcoin, et ils veulent changer. Et ils ne sont surtout pas d'accord sur la scalability, sur la mise à l'échelle de... Alors c'est un anglicisme, désolé pour les associations francophones. Et donc du coup, on n'est pas d'accord, on dit non, Bitcoin c'est pas suffisant, la taille des blocs n'est pas assez gros. Et donc du coup, les mineurs ne sont pas d'accord, ils gagnent pas assez d'argent avec les blocs de 1 méga, et les développeurs disent non, on va pas augmenter la taille des blocs de 1 méga. Donc du coup, il y a eu un désaccord et il y a des gens qui ont décidé de forquer Bitcoin pour faire mieux. Et donc, en gros, il y avait une solution qui était proposée par les développeurs qui était SegWit, et puis les mineurs ont dit on n'est pas d'accord, on veut augmenter la taille. Donc c'est autour de ça qu'aujourd'hui les forks Bitcoin tournent. Tout le monde est. Finalement, c'est que ça. C'est qu'une question de taille de code. Juste pour préciser, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Un fork ne fait pas forcément un split chain. C'est-à-dire que voilà, quand ils ont fait le fork multisig, il y a eu un consensus de la communauté, et le Bitcoin est resté un seul token. Et donc là, quand il y a un problème de consensus au niveau de la communauté, il y a ce qu'on appelle un split. Donc il y a des gens qui continuent la chaîne historique et d'autres qui font un split de blockchain. Ouais. Ce qu'on va juste après. Graph est fruit après. Effectivement, là, on n'est pas sur un fork comme j'ai évoqué tout à l'heure où les chaînes sont indépendantes. Donc on a vraiment une interdépendance entre les chaînes. Effectivement, au départ, il y avait la chaîne d'origine qui, tous les 10 minutes, on va dire, sortait un bloc. Et à un moment donné, il a été prévu lors d'un hard fork. Donc tout cela sont des hard forks aujourd'hui, ce n'est pas des soft forks, à part SegWit qui a été activé, mais bon, c'est un soft fork, je crois. Donc il y a eu un premier fork qui était Bitcoin Cash, qui ont décidé, nous on garde tous les paramètres de Bitcoin, on garde tout l'historique de Bitcoin, on garde le même algorithme de hachage, on garde le même Genesis Block, on garde toutes les transactions compatibles avec le passé, et on fait juste des blocs de 8 mégas. Donc ça c'est vraiment une problématique de mineurs, c'est les mineurs qui ont décidé de faire ça,
Et puis aujourd'hui, bah, ça vise à vie de manière indépendante de Bitcoin, parce que toutes les transactions qui ont été faites dans cette blockchain ne sont plus, ne peuvent plus être dépensées dans notre blockchain. Après, bon, ce graphe, c'est pas moi qui l'ai fait, il y a Segwit Chain, donc effectivement, on a eu une activation de Segwit, et on a commencé à travailler donc, de manière indépendante de Bitcoin Cash. Il y a Bitcoin Gold qui est sorti, après Bitcoin Cash, je ne me rappelle plus de la date exacte. Et après, il y a eu Segwit Chain, je ne sais pas ce que c'est, Segwit 2X qui a été abandonné, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. J'ai juste une observation sur cette image, je la connais, je l'ai déjà vue passer. Hein. Oui, en fait, je n'ai pas cité la source d'ailleurs. Elle prête un peu à confusion parce que du coup, oui. Quand on regarde cette image, on a l'impression que le Bitcoin original, c'est celle du haut, pas du tout. Celle du haut, c'est le Bitcoin Cash qui est un fort du Bitcoin, donc qui est entre guillemets, n'est pas un flop mais ne rassemble pas la majorité de la communauté. Le vrai Bitcoin, c'est celui qu'on voit en jaune foncé, c'est le Segwit 1X. En gros, ça c'est le vrai Bitcoin. C'est pour ça que ce graphe. Il n'est pas agnostique sur le. En gros, c'est orienté Bitcoin Cash. Mais en fait, si vous voulez, le vrai Bitcoin. C'était de la promo Bitcoin Cash. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Non, c'est. C'est sur un. Oui, mais bon, ça permet d'expliquer. Oui, c'est pas expliqué. Mais en gros, le vrai Bitcoin, c'est celui-là. Il y a eu un consensus de la communauté qui a activé Segwit. Donc là, on a le vrai Bitcoin qui tourne ici. Et donc, s'ils n'avaient pas annulé le Segwit 2X, il y aurait eu encore un split. Mais du coup, donc, le vrai Bitcoin, il est là. Ça, c'est un graphe une image orientée Bitcoin Cash. Oui, c'est vrai que c'est. Autant pour moi, c'est orienté Bitcoin Cash, mais effectivement, non, les gens ne sont pas d'accord. Ils ont décidé de faire. Est-ce qu'on pouvait avoir de la gauche de mon slide aussi, parce que ouais, je crois qu'il est un peu sorti. Du coup, je crois. Alors, bon, on pourrait essayer comme ça s'il faut. Hein, voilà. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas tout dans ce graphe. Depuis, il y a eu Bitcoin Diamond sorti et Super Bitcoin que j'ai appris ce midi. Je ne connaissais pas. Et j'ai appris ce soir qu'il y en a encore trois autres qui étaient sortis. Donc, effectivement, on n'arrête pas de forquer. Donc, qui est la vraie blockchain Bitcoin? Donc, effectivement, on peut dire que c'est Bitcoin Cash. Je ne suis pas d'accord sur ça. On peut dire que c'est Bitcoin machin, mais aujourd'hui, les gens ont forqué parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, c'est le marché qui va décider de savoir qui est le vrai. Donc juste pour info, le petit truc qui est là en jaune foncé, il a 95% de la puissance de calcul et les autres, ils ont le reste. Donc c'est vraiment négligeable. Donc effectivement, ce qui fait le nerf de la guerre dans le Bitcoin, c'est la puissance de calcul des mineurs. Donc j'ai mis ça parce que c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de forks aujourd'hui. Ils ont des noms, on va dire, de production, des noms de produits. On peut appeler Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Super, Bitcoin Blue. Qui c'est qui m'a parlé du Blue tout à l'heure? Mais bon, tout ça, c'est forqué d'un code source initial de Bitcoin, avec Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, Bitcoin ABC. Donc faire le lien entre le nom du repository GitHub et puis le nom du produit final, moi, je suis paumé. Hein. Je suis vraiment incapable de dire... bon, je crois que ABC, c'est Bitcoin Cash ou Bitcoin Gold, je crois. Mais après, donc il y a beaucoup de... c'est le bordel. Donc, c'est qui décide ceux qui avaient les comptes lors du fork, c'est les propriétaires qui décident, oui, bah moi je vais sur cette chaîne. Ah, il n'y a pas de propriétaire en fait, il y a le code source et les gens sont libres de compiler et d'exécuter sur leur nœud comme ils le sentent et de miner la chaîne qu'ils veulent. Mais je crois que la question c'est en fait tous les coins sont dédoublés. D'accord. C'est-à-dire qu'on garde le même montant qu'on avait sur une adresse, quelle que soit la chaîne. Donc effectivement, c'est un hard fork, mais tous les bitcoins qui étaient ici avant sont valides sur toutes les branches possibles. Par contre, elles ont une valeur différente en fonction de la place de marché qui nous intéresse. Donc, si la valeur est plus irrégulière vers celle où la valeur est plus importante, logiquement. Bon, on reviendra sur les questions peut-être après. Les valeurs, la valeur, c'est les gens donnent la valeur sur la plateforme d'échange. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui donne la légitimité à une chaîne, c'est sa puissance de calcul. Après, effectivement, c'est ce qui fait sa valeur à un moment donné. Mais c'est une slide très polémique. Donc, j'ai pris ça parce qu'il y en avait un autre ici. Donc, en gros, on a tous les mêmes paramètres, à part Bitcoin Diamond, qu'ils ont décidé de plutôt que de faire. C'est Bitcoin, ça. Ah, Bitcoin, pardon, c'est pas le rose, le diamant, il était rose aussi, je sais plus où. Ils ont décidé de faire 22, plutôt que faire 21 millions de Bitcoin, ils ont décidé d'en faire 210 millions, parce qu'ils ont dit qu'il n'y en a pas assez, on en veut 10 fois plus. Mais, donc, ils sont pas d'accord, ils forquent, ils ont le droit de le faire, ils n'ont pas demandé, ils ont pas de demander la permission de le faire, personne n'est propriétaire du code. Donc, ils peuvent le faire. Après, est-ce que les utilisateurs vont l'utiliser? C'est toute la question.
Donc au début, Bitcoin Cash était en vert. Ils ont gardé l'inclinaison vers la gauche, mais c'est la seule truc qui nous permet de distinguer aujourd'hui entre Bitcoin et Bitcoin Cash, c'est l'inclinaison. Donc c'est un peu délicat. Donc on verra tout à l'heure les adresses Bitcoin Cash qui sont exactement les mêmes que les adresses Bitcoin, et ça pose des gros problèmes. Donc voilà, quels sont les problèmes avec les forks? Donc aujourd'hui, toutes les blockchains sont concurrence, et les mineurs, eux, ils sont là pour miner et gagner de l'argent et rentabiliser leur matériel. Donc ils vont faire des choix de minage, mais soit des choix philosophiques en disant, ben moi je préfère Bitcoin Cash ou je préfère Bitcoin Core. Et donc, ces chaînes vont être en concurrence au niveau de la puissance de calcul. Donc du coup, il y aura un pourcentage qui va décider de miner une chaîne ou une autre, et donc ça baisse la sécurité du réseau. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. Effectivement, la puissance de calcul par rapport à la valeur, ça donne quand même une certaine idée de la rentabilité d'un minage. Et c'est pas lié au prix du tout. Il peut être beaucoup plus rentable de miner un Bitcoin Cash qui est moins cher que le Bitcoin. Mais donc le mineur va prendre l'option la plus rentable. Voilà, donc ça c'était la baisse de sécurité réseau. Après, l'autre problème qu'on a, c'est que quand on prend la valeur d'un coin, donc là j'ai pris juste la valeur avec deux bitcoins, il y a bitcoin et bitcoin cash, on a remarqué très tôt que la somme des deux valeurs était supérieure à la valeur avant le fork. Donc ça a l'air de rien, on dit c'est cool, c'est la fête, on gagne de l'argent, il suffit de forker et on gagne de l'argent. Sauf que l'argent il vient bien quelque part, il y a des nouveaux entrants qui arrivent. Donc du coup, il n'y a aucune raison de ne pas forker. C'est que ça va contribuer au fork des bitcoins. Et il y a plein de gens qui vont se dire, bah, moi si je fork, mon coin vaudra plus cher que... Bah, la somme des deux vaudra plus cher que ce qu'il y avait au début. C'est une façon de gagner de l'argent. Après, les mineurs vont plus ou moins être attirés par une blockchain ou une autre pour gagner plus d'argent en fonction du cours du jour. Et donc, la puissance de calcul va varier très rapidement, ce qu'on a observé avec Bitcoin Cash. Les mineurs allaient d'un jour sur l'autre, sur une chaîne ou une autre, pour essayer de gagner plus d'argent. Donc du coup, c'est un peu technique, mais tous les 2046 blocs, on réévalue la puissance de calcul sur Bitcoin. Et donc du coup, au début, c'était un peu la même chose sur Bitcoin Cash. Donc du coup, l'intervalle entre deux blocs était de 10 minutes, normalement. Il pouvait s'étendre ou se raccourcir en fonction de la puissance de calcul qu'il y avait pendant ces 15 jours. Donc aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, parce qu'ils ont reforqué une deuxième fois Bitcoin Cash pour éviter ce problème-là, parce qu'ils commençaient à miner beaucoup trop de blocs, et ils se sont rendus compte qu'en minant trop de blocs, ils allaient atteindre le halving avant Bitcoin. Et donc du coup, à ce moment-là, ils se sont dit, bah oui, mais si on a le halving, pendant la période de halving, entre les deux, bah, on gagnera, plus personne ne va miner pour nous. Quoi. Ils vont tous se barrer sur Bitcoin. Donc du coup, ils ont fait un patch en hard fork pour éviter ce problème de miner trop vite. Et donc du coup, tout ça, ça a une influence sur le cours du Bitcoin. Et donc du coup, le Bitcoin est très volatile. Bon, il est déjà volatile par essence, mais il y a une volatilité qui est quand même liée au fait que les gens achètent et vendent parce qu'ils se disent bah là ça va monter, là ça va baisser en fonction de la puissance de calcul, et ils vont essayer d'anticiper. Et après il y a aussi ceux qui croient à leur monnaie, ils ont beaucoup d'argent, ils vont essayer de manipuler le cours pour promouvoir leur produit. Là il y a ce sujet est évoqué par Laurent Salat sur Bitcoin FR, sur les petits problèmes de scalabilité entre amis, et c'est assez intéressant de suivre ça, si ça vous intéresse, allez voir ça. Donc il n'y a pas de limite au nombre de forks. Si on continue comme ça, il n'y a aucune raison que le nombre de forks ne demande pas. D'ailleurs, entre le moment où j'ai fait ces slides et le moment où, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà eu 3 forks de plus qui sont là. Donc là, je reviens sur le format des adresses. C'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, une adresse traditionnelle Bitcoin commence toujours par un 1. Et on sait les reconnaître, bon, il y a des adresses qui commencent par 3, il y aura des nouveaux formats qui vont arriver, mais l'adresse Bitcoin Cash a exactement le même format d'adresse, et il n'y a aucun moyen de distinguer une adresse Bitcoin Cash d'une adresse Bitcoin. Elles sont compatibles entre elles, mais si on envoie des Bitcoins sur une adresse Bitcoin Cash ou dans l'autre sens, on risque de perdre ces Bitcoins. Et aujourd'hui, si on nous présente un QR code pour dire « j'ai envie de me faire payer », il n'y a aucun moyen de contrôle
pour vérifier qu'on envoie sur la belle blockchain. Et même moi qui suis assez aguerri, je me suis fait avoir et il y a une transaction comme ça qui est partie sur une adresse Bitcoin Cash. Et la plateforme a bien voulu récupérer la clé privée, me rendre mes bitcoins que j'avais transférés. Donc aujourd'hui, l'utilisateur saura vraiment, il n'aura aucun moyen de savoir sur quelle adresse il envoie. Je crois qu'il y a un fork qui est prévu pour Bitcoin Cash pour résoudre ce problème. Ils vont changer l'adresse de Bitcoin Cash pour pas qu'il y ait de confusion. Bitcoin Gold ont eu la bonne idée, ou ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils ont changé la façon de miner, quoi, d'encoder les transactions. Ça commence par G, donc là il n'y a aucun problème, on ne peut pas se tromper, et c'est pas compatible, on ne peut pas envoyer les adresses. Donc le problème de ce Bitcoin Cash, c'est qu'il prête à confusion et risque de perdre des bitcoins. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec tous ces bitcoins, parce qu'on en a 8, j'en ai cité 5. Aujourd'hui, on part d'un code source qu'on a forqué et qu'on est, on devient indépendant. Donc le problème, c'est que si sur le code source de base que j'ai pris, il y a eu des corrections de bugs, je ne les aurais pas. Je vais être obligé de les reporter. Et est-ce qu'ils ont les compétences pour les reporter? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas dans le futur s'il y aura des gros bugs sur Bitcoin et est-ce qu'ils seront reportés sur Bitcoin Cash. Et il y a aussi le problème de report de nouvelles fonctionnalités. C'est qu'aujourd'hui, il y a Segwit qui va arriver. Est-ce que Bitcoin Cash veut avoir Segwit ou pas? Est-ce qu'ils vont l'avoir nativement? Je ne sais pas s'ils ont le Segwit activé sur Bitcoin Cash. Non, toujours pas. Non. Donc peut-être qu'ils ne le veulent pas, tout simplement, et donc ils sont très contents pour ça. Mais du coup, au niveau maintenance, ça pose un gros problème au niveau software. Il faut qu'ils aient des équipes qui viennent copier le code de ceux qui pondent de nouvelles fonctionnalités. Donc ils ne maîtriseront pas ce code-là, ils risquent d'injecter des bugs en reportant le code. Donc on a évoqué Segwit V2 tout à l'heure, et effectivement ils ont forqué. Il y en a quand même certains, ils ont annulé le fork, mais il y a certains mineurs qui ont décidé de quand même miner cette nouvelle monnaie. Et il y avait des bugs et c'est jamais parti. Donc malgré tout, ils ont fait un copier-coller, mais ils ont introduit des bugs en copiant-collant. Donc copier-coller une correction de bug, ou copier-coller une nouvelle fonctionnalité, on n'est pas sûr que les gars aient les compétences pour maintenir une blockchain fonctionnelle. Après, au niveau de l'adoption, bah, c'est très compliqué parce que tout le monde se pose des questions, laquelle je vais choisir. Donc c'est quelle la vraie? Qui est-ce qui a la vérité? Est-ce que c'est Bitcoin la vraie blockchain? Oui, c'est l'ancêtre. Est-ce que c'est celle qui va durer dans 10 ans? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura une autre blockchain qui sera plus performante qui n'est pas celle que j'ai citée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a aucune idée de savoir c'est laquelle qu'il faut choisir. Moi, je pense que le meilleur moyen de choisir, c'est de savoir ceux qui a la plus grosse puissance de calcul parce que c'est celle qui est la plus sûre. Aujourd'hui, une blockchain avec 5% de puissance de hachage peut se faire hacker ou se faire attaquer très facilement. Si des gens veulent attaquer le Bitcoin Cash, ils ont les moyens de le faire aujourd'hui. Et donc, on pourrait réverter des transactions Bitcoin Cash assez facilement. Donc voilà, donc il faut choisir. Donc tout le monde connaît To The Moon. Alors, je voulais évoquer To The Core, voilà, parce que c'est l'opposé. Donc c'est sûr qu'à la fin, à mon avis, il n'en restera qu'une, et qui ira peut-être très haut au niveau de sa valorisation. Et les autres, elles vont disparaître. Mais elles ne vont pas vraiment disparaître. On parlait de Bitcoin de Doge tout à l'heure. Doge existe encore aujourd'hui, n'apporte rien, n'a pas de fonctionnalité très, très, très utile. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont prêts à en acheter et à en vendre. Mais bon, ça aura une valeur à un moment donné. Et les gens pourront continuer à spéculer dessus. Donc un exemple, c'est Ethereum. Avec Ethereum classique, ça a été forké. Les gens n'étaient pas d'accord avec le fork de Ethereum qui a permis de rollbacker sur des hacks. D'un contrat de la DAO qui avait une capitalisation énorme. Et donc, mais il y a des gens qui ont dit non, on n'a pas le droit de changer l'immutabilité de la blockchain. Et donc du coup, mais malgré tout, ça a une valeur aujourd'hui, c'est une valeur spéculative, ça permet des oscillations. Donc elles ne vont pas disparaître, aujourd'hui elles sont là, elles existent. Il y aura toujours des gens qui sont prêts à miner un Bitcoin Cash ou un Bitcoin Gold. Par contre, ça n'aura pas trop d'usage par rapport au Bitcoin. Voilà, si vous avez des questions. Les vitesses de transaction, et est-ce qu'il y a des forks qui apportent vraiment quelque chose, ou est-ce qu'il va falloir passer par du Lightning Network, par
Est-ce qu'il faut faire une blockchain que pour les petites transactions? Il y en a qui existent. Je te laisse répondre. Okay. Oui, non, en fait, aujourd'hui, effectivement, la solution. Aujourd'hui, Bitcoin n'est pas vraiment très très rapide à faire les transactions. Et puis, les transactions, parce que pour les micro-paiements, c'est quand même. Voilà, et donc aujourd'hui, la solution, effectivement, c'est Lightning. Donc ça commence à arriver en production aujourd'hui. Il y a des tests en bêta sur le mainnet qui arrivent. Il y a trois implémentations indépendantes qui sont compatibles entre elles, qui ont passé tous les tests. Et aujourd'hui, on est capable de créer des canaux de paiement. En Lightning, donc effectivement, il faut quand même avoir le temps de le setup. C'est un point d'entrée. Après, une fois que le canal est mis, on pourra faire autant de microtransactions qu'on souhaite sans quasiment aucun frais. Il y a même des frais parce qu'il y aura un chemin dans le réseau Lightning. Mais a priori, ça serait la solution. Ça serait d'avoir des transactions dites off-chain, mais entre deux participants au réseau Lightning, qui est une surcouche en fait. Du réseau Bitcoin. Bitcoin est compatible avec Lightning, mais il y a d'autres blockchains qui ne sont pas compatibles. Voilà, ils ont fait d'autres solutions pour faire du très vite, très peu. Le problème, c'est le marché des frais qui coûte très cher. Et aujourd'hui, une blockchain qui est vide n'a aucun frais. Une blockchain qui est pleine a des frais, ce qui est normal. Il y a un marché qui se met en place pour savoir lequel va occuper la place de l'autre. Donc c'est normal qu'il y ait toujours un marché qui se forme autour de l'offre et de la demande sur les frais. Bitcoin aujourd'hui n'est pas fait, tel qu'il est aujourd'hui n'est plus fait. Moi j'ai fait beaucoup de transactions jusqu'en 2015-2016. Aujourd'hui ça coûte beaucoup trop cher d'envoyer des transactions et on attend vraiment trop longtemps. Par contre le Lightning va arriver et va permettre de résoudre ce problème. Est-ce que Lightning c'est pas un gros problème de sécurité? Non. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question, n'hésitez pas. C'est long à expliquer, mais c'est bien des bitcoins qu'on échange sur Lightning. Ils disparaissent pas. Puis c'est testé depuis déjà un an. Quand ce sera en production, ce sera en production. On met pas des choses en prod qui font disparaître les bitcoins. Le Lightning, pour info, ça a été activé il y a déjà plusieurs semaines sur le Litecoin, par exemple. Juste pour répondre pour développer aussi sur le sujet. Comme disait Michel, on pouvait payer maintenant avant Bitcoin, mais disons qu'il y a peut-être des choses comme Lightning ou d'autres évolutions du Bitcoin qui, dans le futur, permettront de, entre guillemets, réduire les frais et réduire les temps de transaction. Mais aujourd'hui, il y a plein d'altcoins qui sont, entre guillemets, qui ont été conçus pour, sur le long terme, avoir des paiements très rapides à des moindres frais. Donc je pense que, en l'état actuel, le Bitcoin. Vas-y, dis-moi, Ali. Bah, pour moi, les cryptos ont surtout été faits comme c'était avant tout un laboratoire d'expérimentation. Aussi. Après, si on arrive à un niveau où Bitcoin finalement devient un noyau avec des couches successives de protocoles avec des méta-réseaux, on pourrait avoir des frais de transaction très bas et unifier tout ça. Quoi. Parce qu'en gros, c'est vrai qu'il y a eu besoin de faire des recherches qui étaient bloquées par le consensus de Bitcoin où on pouvait rien changer. Donc c'était très utile de faire plein de trucs, d'avoir un véritable laboratoire d'expérimentation avec les altcoins. Et finalement, on commence à voir justement arriver cette nouvelle économie Bitcoin des méta-réseaux où on va voir Lightning, on va voir Ostock, on va voir peut-être encore d'autres méta-réseaux qui vont se créer et qui sont beaucoup plus complexes que les premiers comme Mastercoin ou Counterparty. Finalement, on burn plus de coins, c'est vraiment un autre réseau. On va s'échanger des choses et on va se servir de Bitcoin pour garder la sécurité et la fiabilité. Effectivement, il y a un problème de sécurité. Si jamais je perds mon device et que je perds mon canal, je peux bloquer des bitcoins, mais si le canal est coupé de l'autre côté, je récupère mes bitcoins. Donc il y a encore ce sujet qu'il faut résoudre pour vraiment être en production. On est encore en bêta. Les gens travaillent dessus avec A5 et puis les trois. Bitcoin qui est en bêta aussi. Oui, ben, les bitcoins sont en bêta. Mais, okay. Donc oui, non, il y a des sujets où on va pour y perdre notre argent. Mais aujourd'hui, effectivement, l'argent ne disparaît pas dans la nature. Il est soit A ou soit AB, mais il ne peut pas être entre deux. Quoi. Est-ce que ça va avoir des impacts sur la valeur actuelle du bitcoin? Si avec cette, je pose la question, est-ce que le fait qu'on ait on va pouvoir faire des milliers de microtransactions, est-ce que derrière ça va impacter? Le problème de la valeur du Bitcoin, c'est l'offre et la demande. Effectivement, si ça devient pas cher de faire des transactions et que beaucoup de commerçants pourront commencer à l'accepter et que beaucoup de gens voudront l'utiliser, il y aura une grosse demande sur le Bitcoin. Et on sait que la production de Bitcoin va diminuer tous les 4 ans et demi, ou tous les 4 ans, ça diminue. Donc il y aura une offre et la demande qui va diverger et donc la valeur va augmenter. Ça, c'est ce qui est la théorie. Après, si personne ne veut utiliser Bitcoin, bah, sa valeur va descendre. Faut toujours garder ça en tête.
les cours augmentent, mais voilà, c'est fonction du cours de la demande. C'est que ça qui donne la valeur. Au... Juste pour, par rapport à tout ce qu'on a dit, en gros, pour résumer, il y a beaucoup de gens qui critiquent le Bitcoin par rapport au fait qu'il soit énergivore, que les temps de transaction soient longs, que les frais de transaction soient importants. Mais voilà, comme on dit, il y a des évolutions qui sont en train de se mettre, qui sont issues d'un consensus de la communauté. Il y aura d'autres évolutions qui vont venir avec le temps. Et le problème, c'est que les gens qui dénigrent le Bitcoin et qui, entre guillemets, disent que c'est énergivore, ça coûte cher, etc., ils ne disent pas ou ils ne savent même pas que voilà, le Bitcoin il a évolué à maintes reprises depuis 2009, il va continuer à évoluer. Donc oui, actuellement le Bitcoin, ça coûte cher de faire une transaction et c'est lent, mais ça, c'est des choses qui vont évoluer. Et de toute façon, il y a d'autres altcoins qui, entre guillemets, résolvent ce problème dans le cas du micro-paiement, par exemple. Oui. Techniquement, est-ce que Bitcoin va pouvoir être en proof of stake un jour, ou techniquement c'est possible? Je crois pas que ce soit dans les plans aujourd'hui de la roadmap. Si quelqu'un veut le faire, il va certainement pouvoir le faire. Parce peut-être qu'il y a déjà un fork. Il y a juste à faire un fork. On sait pas, en fait c'est permissionless. Donc si quelqu'un veut le faire, il est welcome to le faire. Sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas prouver si ça marche. Donc il faut une expérimentation pour le faire et Bitcoin n'est pas prêt à la faire. Ça existe déjà d'ailleurs. Il y a pas mal, En fork Bitcoin. Il y en a deux en fait, il y en a un qui est plutôt stake, de white fork tout à l'heure. C'est lequel? C'est le... Diamond, mais en fait... Diamond. Non, ah mais ça mixe. Ah, a... C'est compliqué. Il y en a deux. Ouais. le proof of stake c'est très compliqué, mais en gros, bah, pour parler par exemple de l'Ethereum, ils ont normalement dans leur roadmap d'activer dans un premier temps un hybride, proof of fork, proof of stake. Voilà, c'est sur la roadmap, on verra ce que ça donne. Peut-être que. Mais après, bon, là, c'est un sujet très technique, très compliqué, on pourra en parler des heures, le proof of stake. Mais oui, potentiellement, peut-être qu'un jour, le Bitcoin sera en proof of stake, dans quelques années, on ne sait pas. Parce que Stratis va commencer à. Enfin, fait que du proof of stake et pour sécuriser le réseau, justement. Et, c'est très, très prometteur, quoi. Changer la taille des blocs, c'était assez compliqué pour ne pas changer la forme du minage. C'est certainement, juste... il y aura un fork. Un rare fort pour ça, mais mais voilà. On peut pas prévenir l'avenir là, mais potentiellement. Techniquement, rien n'empêche de le faire, c'est aucun problème. Mais est-ce que la communauté Bitcoin le veut effectivement? En termes de probabilité, il me semble aucun core dev qui est pour le FOSTECH. Donc je vois pas comment ça pourrait arriver. La majorité des experts sont pas pour le FOSTECH de manière générale. On n'a pas la preuve que ça marche pas. Non mais ça marche, mais en tout cas il y a quand même des problèmes. Il y a encore des problèmes par rapport au proof of work. Enfin le proof of work est encore meilleur en termes de, notamment sur la réversibilité, la réécriture de la chaîne, est encore meilleur que le proof of work. Ouais. Juste par rapport au fork, ce que vous disiez en ce moment, on entend beaucoup parler de Spark pour le Dash, et apparemment ça recentralise un peu le pouvoir. Vous avez pas des informations? Ça, au Dash. Alors le Dash. Elle était renommée, j'ai plus regardé. Le Dash, on prend pas des heures, je sais pas si quelqu'un a l'info. Bon, en gros, le Dash, rapidement, c'est aussi issu du Bitcoin. Hein. Ils ont un système de masternode. C'est assez complexe, pareil, on peut entrer dans, on peut en parler des heures. Ils ont un système de masternode qui permet de centraliser un peu le pouvoir. Ça bloque l'argent surtout. Voilà, à l'origine, c'est ce qui fait augmenter sa valeur aujourd'hui. Pas le blocage dans les masternodes, vraiment, ce que c'est qu'un spork. Ça, je sais pas, j'en ai aucune idée du concept du spork. On a un spork. On a des c'est intéressant parce que là, tu en as plein d'experts et... le gros truc, parce que ça recentralise chez les devs. Ils ont en gros un switch on-off quand ils veulent, et ça, apparemment c'est entre un soft fork et un hard fork, je sais pas tout le monde. Bon, on verra le spork de plus près, mais non, vraiment, je connais pas. Je pense qu'on... Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous voulez, après, entre nous, on pourra parler du Bitcoin Cash et... par exemple, la collusion qu'il y a eu avec le Segwit 2x, c'est l'annulation du Segwit 2x qu'il y a eu, mais bon, ça on peut en parler, puis c'est sujet à polémique, donc on va pas non plus s'étendre sur le sujet. Merci beaucoup, Michel, pour...